الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل قراءتنا حول كتاب الزهد للإمام أبي حاتم رحمه الله تعالى العالم الكبير محمد بن إدريس رحمة الله عليه رحمة واسعة. قال حدثنا ابن دكين قال حدثنا مسعر عن أبي بكر بن حفص قال كان ابن فسحم يوم بدر في يده تمرات فرمى بها وقال هذه مع الدنيا ثم تقدم فقاتل حتى قتل. وهذا جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنهما، جاء في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، قال لرسول الله أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل رضي الله عنه. وهذا يبين لنا أن الصحابة كانوا يعلمون ليعملوا، كانوا يتعلمون من أجل أن يعملوا، وهذا هو هدف العلم. العلم ليست مجرد معلومات، كما كان مالك بن أنس رحمه الله تعالى يكرر كثيرا، وقبله خلق كثير كانوا يقولون ليس العلم بكثرة المسائل، أو ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم الخشية، يعني حقيقة العلم يورثك الخشية. وقد كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول أخوف ما أخاف أن يقال لي غدا، يعني يوم القيامة، قد علمت، فماذا عملت فيما علمت؟ وكان يقول رضي الله عنه وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأجلاء، كان يقول لا تكون تقيا حتى تكون عالما، ولا تكون بالعلم جميلا حتى تكون به عاملا. وكان الفضيل بن عياض رضي الله عنه يقول قال لابن المبارك أكثركم علما ينبغي أن يكون أكثركم خوفا. لما؟ لأنك إذا تعلمت تبينت لك أمور، منها أن حق الله عز وجل أعظم مما كنت تتصور، فكلما ازددت علما ازددت خشية. ولذلك وصف الله عز وجل خلقا أو طائفة من عباده أنهم يخشون الله، ولم يصفهم بالخوف وهم العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولم يقل إنما يخاف، لأن الخشية هي مقرونة بالعلم. Donc je disais que l'imam Abu Hatim rahimahullah ta'ala rapporte qu'un homme avait des dates qui étaient dans ses mains, et cela pendant la bataille de Badr. Et il les a jetées, il a dit hadihi ma'ad dunya. Il a dit ça fait partie de la vie d'ici-bas, ça reste ici, ça. Ça fait partie des choses de la vie d'ici-bas. Thumma taqaddam faqatala hatta qutil. Puis il s'est avancé et il a combattu jusqu'à mourir dans le sentier d'Allah. Et on a dit que ça nous faisait penser à un hadith qui était dans le Bukhari et Muslim selon Jabir ibn Abdillah, et cette fois-ci c'était dans la bataille de Uhud. Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma, il nous dit qu'un homme est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui a dit « Ya Rasoul Allah, si je me fais tuer, quelle sera ma demeure? Où est-ce que je vais atterrir ?» Le prophète il lui a dit « Fil Jannah », il lui a dit « Au paradis ». Alors l'homme qui avait des dattes dans les mains, il les a jetées et il a combattu jusqu'à mourir. Et ici, on a fait un lien avec le fait que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam apprenaient, posaient des questions au prophète pour œuvrer. Et vous les voyez, subhanallah, vous le voyez dans les questions qu'il posait. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, dans le Bukhari et Muslim, c'est le premier hadith qui est dans le livre de l'imam al-Bukhari, Al-Adab al-Mufrad. Il a un livre qui s'appelle Al-Adab al-Mufrad. Le premier hadith que vous trouvez dedans, c'est Abdullah ibn Mas'ud qui questionne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit « Ayyul amali ahabbu ila Allah ?» Quel est l'acte le plus aimé auprès d'Allah? Regardez les questions. Parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est se rapprocher d'Allah. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas « mujarrad ma'loumat ».
c'est pas juste avoir des connaissances en plus, des choses en plus. Est-ce que les djinns, ils peuvent posséder les morts? Et donc, du coup, le mort, est-ce qu'il peut se... Mais qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu te dis oui ou je te dis non? Qu'est-ce que tu vas faire avec? Moi, ce que je veux, c'est me rapprocher d'Allah. Je veux des informations qui vont me rapprocher d'Allah. Dis-moi, cette action-là, elle est bonne, cette action-là, elle ne l'est pas. Donc, lorsque vous fouillez dans les actes, dans les questions, pardon, des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vous allez trouver ce genre de questions. Ayyul amali ahabbu ilallah. Quel est l'acte le plus aimé auprès d'Allah? Parce que lui, il veut œuvrer. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a répondu à salatu ala waqtiha, la prière en son temps. Ensuite, il a dit les parents. Ensuite, il a dit le djihad fi sabilillah. Mais, pour vous dire, c'était des questions qui engendraient des œuvres. Et lorsque certains compagnons, en général les bédouins parmi eux, posaient des questions qui étaient un petit peu... eh bien, le prophète les remettait sur les rails. L'homme qui a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Mata sa'a » Le hadith est dans le Sahih al-Bukhari. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était en train de faire un prêche. Et il y a un homme, il lui a dit, « Ya Rasulallah, mata sa'a » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a terminé son prêche. Et une fois qu'il a terminé, il lui a dit, « Aina sa'ilu ani sa'a » Qala ha anada ya Rasulallah » Il lui a dit, « Je suis là, ya Rasulallah » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, plutôt que de lui dire c'est quand, parce qu'il ne le sait pas, alayhi salatu wassalam, il lui a donné des signes de la fin des temps. Dans l'autre hadith, un autre homme est venu demander au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand est-ce que viendra l'heure. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, « Mada a'adadta laha » Qu'est-ce que tu as préparé pour l'heure, pour le jugement dernier? C'est ça que tu dois te poser comme question. C'est qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce que je peux, qu'est-ce qui va engendrer des œuvres? Et donc là, on a des questions du genre, si je fais telle action, est-ce que je vais finir au paradis? Voilà ce qui m'intéresse. Et voilà pourquoi les compagnons nous ont dépassés. Parce que eux, ils apprenaient pour œuvrer. Ils apprenaient pour œuvrer. Et c'est ce que le musulman doit se dire lorsqu'il ouvre le Coran. Chaque verset, dis-toi comment je peux faire pour œuvrer avec celui-ci. Regardez le hadith al-Bukhari. Le hadith de... lorsque... هو في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم تصور dans le Bukhari مسلم selon أبو هريرة رضي الله عنه le prophète صلى الله عليه وسلم il nous dit que Ibrahim عليه السلام lorsqu'il a reçu la révélation de الختان la circoncision il a cherché il a regardé autour de lui il a trouvé une hache et il s'est circoncis avec. Normalement, ta réaction, toi, en tant que musulman, lorsque tu ouvres le Coran, c'est celle-ci. C'est celle-là. C'est qu'est-ce qu'Allah il veut de moi? Ah, Allah il m'a demandé de faire telle chose. Il faut que je m'empresse de la faire. Pas que je la fasse de manière bâclée. Que je me dépêche de la faire. Que je m'empresse vers l'action. Pas m'empresser de m'en débarrasser. M'empresser d'aller vers l'action. Moi, j'ouvre le mushaf. Qu'est-ce que je peux faire avec ce verset-là? Alladhina yu'minuna bil ghaib. Taïb, je crois au ghaib. Je crois en l'invisible. Je crois au jour dernier. Je crois. Vas-y, rajoute, ya Allah. Alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Taïb, est-ce que je fais vraiment la salat? Est-ce que je la fais ou je l'accomplis? Puisqu'Allah, dans le Coran, il n'a pas dit faire la prière. Il a dit accomplir la prière. Accomplir la prière, ça sous-entend la faire en temps, en heure. La faire avec ses shurut, ses conditions, ses obligations, ses sunan. Être concentré. Bien faire mes ablutions. Donc, est-ce que je fais réellement la prière comme Allah me l'a demandé? Taïb, ça y est bon, j'ai fini avec ça. Alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Et qui dépensent, et ceux qui dépensent de ce qu'on leur a donné. Taïb, est-ce que je dépense de ce qu'Allah m'a donné? Tu regardes le Coran comme étant un mode d'emploi. Tu as vu, toi, quand tu achètes quelque chose et qui te numérote, qui te mette les étapes. Tu ne peux pas sauter une étape. Même si tu ne comprends pas l'étape, tu ne peux pas la sauter. Sinon, il va te manquer une pièce dans la machine. Et ça risque de faire des dégâts. Toi, tu suis étape par étape. Tu te dis, je ne peux pas. Eh bien, ouvre le mushaf comme ça, de cette manière-là. Dis-toi, ce verset-là, il faut que j'œuvre avec. Si je n'ai pas encore œuvré avec, il faut que je me débrouille pour œuvrer avec. Le verset d'après, pareil. Le verset d'après, pareil. Le Coran, c'est un mode d'emploi. C'est un guide. Ce n'est pas juste pour le lire qu'il a été révélé. Ce n'est pas juste pour faire beau dans nos bibliothèques et pour qu'on se vante auprès des autres et qu'on dise haut et fort, qu'on acclame. Notre livre, il n'a pas été falsifié. Notre livre, il y en a plein qui le connaissent. Non, c'est un guide. Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ce livre, ce Qur'an, il guide vers la voie la plus droite. La plus droite. S'il guide, c'est que je dois faire quelque chose. Ce n'est pas juste en récitant qu'il va me guider. Il faut que je fasse quelque chose.
Rappelez-vous de cette image avec le mode d'emploi. On ne saute pas d'étape. Allah, il veut de moi que j'accomplisse la prière, j'accomplis la prière. Il veut que je m'acquitte de la zakat, je m'acquitte de la zakat. Je donne ce que je peux. Comment je peux faire pour donner de ce que je peux tous les jours? Ben, tu laisses de la monnaie dans ta poche. Dès qu'il y a un sahil, dès qu'il y a quelqu'un qui vient, qui demande ou qui est dans un état, tu lui donnes. Regarde même pas ce qu'il y a dans ta poche. Tu prends une poignée et tu lui donnes. Et à chaque fois, tu recommences. À chaque fois qu'il y a quelqu'un, tu jettes de la monnaie dans ta... Et ne fais pas comme certains, ils sortent la monnaie comme ça, ils regardent les pièces les plus... ils prennent tous les 10 centimes, les 50 et 20, ils mettent de côté, ou là, les 1 euro, 2 euros, ils mettent de côté, ça, ils les gardent dans sa poche, et ils donnent les 10. Non. Non. Donne de ce qu'Allah t'a donné. لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Vous n'atteindrez al-bir. Certains savants, ils disent al-bir, c'est le paradis. D'autres, ils disent cette taqwa, la piété. Vous n'atteindrez ce degré-là qu'une fois que vous pourrez dépenser, qu'une fois que vous dépenserez, qu'une fois que vous allez dépenser de ce que vous aimez. Toi, cet argent, tu l'aimes. Alors dépense cet argent-là. Hey, 10 centimes, qu'est-ce que tu... C'est pas ça que t'aimes. Toi, t'aimes les pièces de 50 centimes, ou t'aimes les 1 euro, t'aimes les 2 euros, t'aimes les billets de 5. Donne. Donne-les. Et dis-toi que c'est une mu'amala ma'a rabbik. C'est une transaction avec ton Seigneur. Donc, lorsque tu ouvres le mushaf, lorsque tu ouvres le Coran, dis-toi, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je peux faire avec ce verset-là? Comment je pourrais œuvrer? Et pense à Ibrahim alayhi salam. Lorsqu'il a reçu l'ordre de se circoncire, il a regardé, il a trouvé une hache. Dis-toi, tu ne pourras pas faire mieux. Toi, regarde autour de toi. Réagis de la même manière. Qu'est-ce que je peux donner? Allah, il m'a parlé de m'acquitter de la zakat ou bien de donner un sadaqa. Qu'est-ce que je peux donner autour de moi? Qu'est-ce que j'aime et que je peux donner pour Allah subhanahu wa ta'ala? Exemple. Lorsque tu vas au restaurant, en général, tu commandes ce que t'aimes. Toi, dans ton assiette, dans ton truc, il y a un plat que toi, tu aimes. Donne une partie de ton plat à celui qui est en face de toi. Et ne fais pas, t'en veux? Non, ok, bah. Enfin, juste pour enlever la responsabilité, t'as vu, je lui ai proposé, et dans ta tête, tu dis, ah, B, il dit non. Non, propose-lui sincèrement. Et dis-lui, tiens, prends une partie, et mets-toi en tête ce verset-là. لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Vous n'atteindrez le bir qu'une fois que vous pourrez dépenser de ce que vous aimez. Ça, c'est ce que tu aimes. Ça, c'est difficile pour ton nefs de donner ça. Eh bien, c'est là que l'enjeu commence. C'est là que ça commence. C'est là que l'épreuve commence. Quand tu donnes 5 euros alors que tu as 15 000 sur ton compte, c'est bien. C'est pas mal. Mais elle n'est pas là, l'épreuve. Là, ça te fait pas mal. Donne. Il y a une partie de ton âme qui s'arrache quand tu donnes. Parce que c'est difficile. Jusqu'à ce que tu sois à l'aise avec ces histoires d'aumône. Et regardez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'était la personne la plus pieuse. C'était la meilleure des personnes. غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ وَمَعَ ذَلِكَ كَانَ أَعْبَدَ النَّاسِ فَقَدْ جَاءَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى قَامَ حَتَّى تَفَطَّرَ رِجْلَهُ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَصْنَعُ هَذَا وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة حتى أطال القيام حتى هممت بأمر سوء قيل وما هممت به قال هممت أن أجلس وأدعه. Regardez, le prophète صلى الله عليه وسلم, c'était la meilleure des personnes, c'était la personne la plus pieuse, c'était la personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné ses péchés, passés et futurs. Allah lui a promis le paradis, etc., etc., etc. Et malgré cela, c'était la personne qui adorait le plus Allah. C'est une façon de te dire que plus Allah va te donner des bienfaits, plus tu vas devoir faire des efforts dans son adoration. C'est pas l'inverse. C'est pas plus Allah il me donne, ça veut dire qu'il m'aime, ça veut dire que je vais en faire de moins en moins. Non. Plus il te donne, plus tu dois le remercier. Comme il disait, on a cité précédemment, Ayyub al-Sirtiani, Inch'Allah, on traduira cela, Ayyub al-Sirtiani, qui fait partie des professeurs de l'imam Malik ibn Anas, قال كان أبو قلابة يقول لي يا أيوب إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة ولا يكون همك أن تحدث به. أيوب السختياني il disait que Abu Qilaba al-Jarmi, son professeur, lui disait: lorsqu'Allah te donne de la science, alors rajoute une adoration. Rajoute, ça veut pas dire invente. Rajoute, yani fais plus d'efforts.
Et il ne faut pas que ton plus grand souci, ce soit de transmettre. J'ai appris quelque chose, je vais le transmettre. C'est bien, mais apprends quelque chose et œuvre. C'est ça le plus important. C'est le fait que tu œuvres avec cette science-là. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha radiallahu anha nous dit dans le Bukhari muslim, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se levait pour prier la nuit, ses chevilles s'ouvraient, il saignait des chevilles, alayhi salatu wa sallam. Il saignait. Aïcha radiallahu anha, elle voit ça, elle dit, ya Rasulallah, est-ce que tu fais autant d'efforts alors qu'Allah t'a pardonné tes péchés futurs et passés? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, afala akunu abdan shakura, ne vais-je pas être un serviteur reconnaissant? Dans le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié avec lui, avec Abdullah ibn Mas'ud. Il dit à Abdullah, fa'atal. Il a dit, il est resté longtemps le prophète. Il est resté longtemps en prière. Il a dit, à un moment, j'ai voulu faire quelque chose de mal. Ils lui ont dit, qu'est-ce que tu as voulu faire? Il a dit, j'ai voulu arrêter la prière et les laisser tout seuls. Dans le hadith de Hudhayfa radiyallahu anhu, Hudhayfa, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la qiyam al-layl, la prière de la nuit, avec lui. Ils l'ont faite ensemble. Il a dit, iftataha bil baqara. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé la salat avec sourate al-Baqara. Hudhayfa, il s'est dit, bon, le prophète, il va y aller au bout de 100 versets. Arrivé à 100, il continue le prophète. Bon, il s'est dit 200. 200, il continue. Hudhayfa, il s'est dit, bon, le prophète, il va finir al-Baqara. 286 versets. Le prophète, il finit al-Baqara et il commence à lire Imran. Est-ce que vous imaginez? Juste là, on arrête le hadith là. Un homme qui fait une prière, une raka'a. Une unité. Il fait le Baqara entière. Entière. Toi et moi, on fait Naba. Et on se dit, ça y est, on est. Moi, je pense, je vais être. Je pense, le Yawm al-Qiyamah, je vais être bien, je pense. Naba. Là, une raka'a. Il a fait le Baqara. Et il ouvre, il commence Ali Imran. Hudhayfa, il s'est dit, bon, il ne va pas dépasser Ali Imran. À 200 versets, Ali Imran. À Baraka. 286, le Baqara. Là, 200, Ali Imran. Et le prophète, il fait celle-là après. Il fait le Nisa, il fait le Maïda. Et il a changé l'ordre. Et il a fait le Ruku'. C'est fini. Hudhayfa, il dit, il est resté autant de temps en Ruku' que debout. Est-ce que tu t'imagines? On va dire, il a récité en une heure et demie. Deux heures. Deux heures en Ruku'? Deux heures debout, deux heures en Ruku'? Et ça, on parle d'un homme. C'est pas, il a tué 100 personnes, il veut se repentir, il veut se racheter. On parle du prophète. Et on ne parle pas d'un prophète. On parle de Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Il faisait tout ça. Et c'est lui qui disait Wallahi wa ana nabi la adri ma yuf'alu bi. Et c'est lui qui disait alayhi salatu wa sallam, Wallahi, je suis un prophète et je ne sais pas ce qu'Allah va faire de moi. Mais que dire de vous et moi? Qui avons fait et qui avons fait et qui avons fait? Donc il ne faut jamais se sentir à l'abri. Et il ne faut pas se sentir, oh mais c'est bon, j'ai fait assez. Non, t'en as pas fait assez. Fatigue-toi dans l'adoration d'Allah. Abu Muslim al-Khawlani, je crois que c'était lui, un des pieux prédécesseurs. Il faisait la prière de la nuit. Et lorsqu'il commençait à fatiguer, lorsqu'il commençait à, il voyait ses jambes commencer à trembler, il avait un bâton qui était prêt pour ça. Le bâton, il était fait pour ça. Là, on parle d'une prière surrogatoire, hein, on ne parle pas d'une obligation. Il prenait le bâton et il frappait ses pieds avec. Et il disait, est-ce que vous pensez, il parle à ses pieds, est-ce que vous pensez que les compagnons du messager d'Allah vont nous devancer? Allez, lui, il concurrence les compagnons du prophète. Et lorsqu'il était trop fatigué, au milieu de la nuit, hein, imaginez-vous, il se jetait dans la mer et il ressortait et il repartait prier. Comme ça, il se réveille un bon coup. Toi, tu le vois, tu te dis, mais il est fou. Un autre qui dit, un enfant qui a dit à sa mère, il lui a dit, maman, le voisin, il a coupé l'arbre. Qui était sur son stah, qui était sur le. Elle lui dit, mon fils, c'était pas un arbre, c'était notre voisin qui priait la nuit, et il est décédé. Est-ce que vous imaginez un enfant, donc le voisin, tellement cette chose-là qu'il voyait était immobile et qui était présente chaque nuit et qui restait debout longtemps, qui restait longtemps debout, il pensait que c'était un arbre. Toi, tu peux penser ça un jour, deux jours, peut-être, mais c'est son voisin. C'est son voisin. Combien de fois il a dû voir ça? Il a dit, maman, l'arbre
qui était là, il a été coupé. Elle lui a dit, c'est mon fils, c'était le voisin, il priait la nuit. Donc vous imaginez le degré ces gens-là, et je l'ai déjà dit et je le répète, s'ils étaient chez les juifs et les chrétiens, wallah, ils en auraient fait des prophètes. Ils auraient mis leur nom sur des trophées. Et ils auraient dit, nous on a eux, ces gens-là, dans notre communauté. Et nous, malheureusement, on ne le fait pas parce qu'on ne les connaît pas. On n'étudie pas leur biographie. Il est capable de dire les chaussettes de tel joueur de foot, de telle année à telle année, il avait tel père, et les baskets, il avait ça, et le maillot de foot, il avait ça, et il a joué dans tel club, Mais Abu Muslim al-Khawlani, on ne sait pas c'est qui. Al-Layth ibn Sa'd, on ne sait pas c'est qui. Ayyub al-Sirtiani, on ne sait pas c'est qui. Même des fois, ils font des micro-trottoirs dans nos pays à nous. Il dit, est-ce que vous pouvez citer les quatre califes? Il dit Ahmed ibn Hanbal et Malik ibn Anas. Ahmed ibn Hanbal, calife bien guidé. Ahmed ibn Hanbal. Ahmed, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ahmed, il est mort en 246. Il a vu qui? Il a vu personne. 246 ou la 241, je ne me souviens plus. Il n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, on est incapable de les citer. Et dans cet ordre-là, alors on va même pas commencer à... C'est quoi le prénom d'Abu Bakr? Sinon, on va perdre des personnes. Donc, il nous faut des modèles. Il nous faut des modèles. Et on en a plein. On en a plein. Regardez, subhanallah. Il n'y a pas une époque comme celle-ci où la science a autant été facilitée. Traduction. Tu ne veux pas le lire? Il te lit le livre. En audio, tu as le livre audio sur Internet. Tu as des cours sur Internet. Tu as des cours payants. Tu as des cours gratuits. Tu as des cours pas chers. Tu as des cours très chers. Tu as des cours privés. Tu as des cours de personnes qui viennent de l'étranger. Tout a été facilité. Et il n'y a pas une époque comme de jahl comme celle-là. Les gens, à l'époque, ils n'avaient rien du tout. Tu te disais, mais comment il va faire pour réussir? Et il réussissait. Vous savez pourquoi? Parce que plus une chose est accessible, plus une chose est facile et plus on la délaisse. Toi, si on te passe une chose et on ne te la fait pas payer, tu vas avoir tendance à la dénigrer. Lorsque tu la payes cher, tu vas vouloir rentabiliser. Tu vas dire, je l'ai payé. Il faut que je rentabilise. Il ne faut pas que ce soit pour un rien. Allahu musta'an. Donc Abu Darda radiyallahu anhu, il disait la takunu taqiyan hatta takuna aliman. Il disait tu ne seras jamais pieux tant que tu n'auras pas acquis de la science. Tu es obligé d'avoir de la science un minimum pour pouvoir être pieux. Quelqu'un qui ne sait pas comment aller à telle destination, il n'y arrivera pas. Même si c'est juste à côté, il va se tromper 15 fois de chemin. Donc le chemin qui mène à Allah, tu dois le connaître. Donc la takunu taqiyan hatta takuna aliman. Tu ne peux pas être pieux si tu ne sais pas, tu ne connais pas le chemin qui mène à Allah. Wa la takunu bil ilmi jamilan hatta takuna bihi amila. Et tu ne seras pas beau entre guillemets avec la science tant que tu n'œuvreras pas avec celle-ci. Tu te dois d'œuvrer avec la science. Essayez. Prenez un verset par jour. Un verset. Et vous essayez, pardon, de chercher les différentes explications des savants de ce verset-là. Les différentes explications de ce verset-là. Et vous faites tout pour œuvrer avec celui-là. Et vous en faites un mode d'emploi. Vous le mettez dans votre quotidien. Tout à l'heure, on a dit sadaqa. Sadaqa, ça y est. Je sais qu'Allah, il veut de moi que je donne. Je vais toujours, maintenant, à partir d'aujourd'hui, laisser des pièces dans ma poche. Dès que l'occasion se présente, je donne. Et si j'en ai plus, j'en remets. Ça y est, sadaqa, j'ai pris un engagement avec Allah. On avait déjà dit l'eau, c'est une sadaqa, c'est une des meilleures sadaqa. Tu achètes de l'eau à tes parents, tu leur dis vous ne touchez pas à l'eau, vous n'achetez pas l'eau. Si vous n'avez plus vos parents, alors des proches. Il y en a. Et s'il n'y a personne, et ben vous donnez à des nécessiteux. Vous vous engagez à acheter de l'eau. Sadaqa, c'est bon. La salat, vous cherchez comment être... Comment se concentrer? Comment pouvoir se recueillir dans la prière? Comment la faire correctement? Comment faire mes ablutions correctement? Et ainsi de suite. Et vous faites ça avec chaque verset. Et vous allez voir une baraka. Vous allez voir que le Coran, il ne va pas être dans votre langue. Il va être dans votre cœur. Là, ça sera autre chose. Et là, vous allez passer à une autre étape avec le Coran. Et Allah, il va vous faciliter des choses qui vont vous étonner. Donc, vous cherchez l'explication de ce verset-là, d'un verset. Vous avez lu, vous avez révisé. Le falaq et nas. Mathalan. L'ikhlas, le falaq et nas. On sait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a lisé une fois après chaque prière. Mais il nous a dit de le faire.
Après salat al-fajr et salat al-asr, trois fois. Taïb. Après, avant de dormir, trois fois chacune. Ça y est. Moi, ces soirs-là, je les mets dans mon quotidien. Elles ne me lâchent pas. Et wallahi, si Allah il enlevait le voile qu'il y a devant nos yeux, le voile qui nous empêche de voir l'invisible, wallah, on ne lâcherait pas la lecture du Coran. Si je pouvais, je vous parle, mais je vais passer pour un fou auprès de certains d'entre vous, je vous détaillerai des histoires de personnes qui ont déclenché, qui ont des djinns qui parlent, etc., de comment ils réagissent lorsqu'ils entendent le Coran, de comment ils réagissent lorsqu'ils voient, lorsqu'ils aperçoivent quelqu'un qui récite beaucoup le Coran, lorsqu'ils aperçoivent quelqu'un qui fréquente les mosquées, lorsqu'ils aperçoivent quelqu'un qui fait ses adhkar. Wallahi tara al-ajab al-ujab. Il faut le voir pour le croire. Il faut voir la réaction de ces gens-là. Des gens qui, bah, le djinn, il parle, et tu le vois, c'est impressionnant. Et tu te dis, mais attends, je suis juste en train de réciter. Non, t'es pas juste en train de réciter. Là, tu te rends compte, ou bien tu te rends compte, il y a une partie de toi qui te rend compte. Parce que tu ne vois pas réellement ce qui se passe. Tu te rends compte de l'effet de la parole d'Allah. Et que c'est pas juste des paroles. Et là, ça devient un peu plus concret. Tu vois quelqu'un qui hurle, qui crie, qui pleure, qui te supplie d'arrêter de réciter. Et qui, lorsque tu touches cette personne-là, elle hurle de douleur. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu hurles? Je vois de la lumière, ça me brûle. C'est quoi cette lumière? C'est parce que tu as été à la salle ou là parce que tu as... Le Coran, les adhkar, la mosquée, tes prières, tes ablutions. Et wallahi, si on pouvait, on vous ramènerait quelqu'un de posséder. Il y en a un, il disait la possession n'existe pas. Et il y en a qui disent ça. C'est dans le Coran et c'est dans la Sunna. C'est dans le Coran. Attention, il y en a beaucoup, c'est le wasawis. Il y en a beaucoup, c'est leur tête. Et pas posséder, rien du tout, c'est juste un flemmard. Et ils cherchent des excuses derrière le sihr, le mas, le ayn, etc. Mais il y en a qui sont possédés. Et ça a été cité dans le Coran, ça a été cité dans la Sunna. Et les savants sont d'accord pour dire que talabbusul jinn bil insi... que ça fait partie des choses qui sont possibles. Il y en a un, parce qu'il y a des personnes avec qui les arguments ne marchent pas. Tu peux lui dire Qur'an, tu peux dire Sunna, à chaque fois il va te trouver, ouais mais non, mais en fait ça veut dire, non mais ça en fait ça veut dire. Ces gens-là, ça sert à rien de parler. C'est pour ça que je dis souvent, Omar ibn al-Khattab nous manque. Parce que Omar ibn al-Khattab, il savait reconnaître ces gens-là. Il y a des gens, tu lui parles, ça sert à rien. Omar ibn al-Khattab, il avait son bâton. Et lui, ça sert à rien que je parle avec lui. Et donc, il tapait. Il était gouverneur, il avait le droit. Et donc, il y avait un savant qui essayait de convaincre une personne que le talabbusul jinn bil insi, ça existe. Mais lui, ça ne marche pas avec lui, les arguments. Donc, tu lui ramènes quelqu'un de Masroua, tu lui ramènes, écoute, regarde comment il réagit. Tu dis, oh non, c'est psychologique. Il est fou, miskin. Mais regarde, il parle l'italien, il est congolais. Et il n'a aucune... Ouais, mais peut-être il a appris. Il a appris où? Moi, wallah, à Château Thierry, il y avait une fois un papa qui est venu me voir à la sortie de la mosquée. Il m'a dit, ouais, est-ce que tu peux faire le ruqya pour mon fils? Et moi, pareil, comme je connais les gens, surtout chez nous, en Afrique, au Maghreb, etc., on a tendance à se cacher derrière ça. C'est l'ayn, c'est sihr, c'est ça. Alors que c'est toi. C'est pas le djinn, c'est toi. T'es un flemmard, t'as pas envie de prier, Mais les gens, ils se cachent derrière ça. J'arrive pas à travailler, on m'a fait. J'arrive pas à me marier, on m'a fait. J'arrive pas à faire ça, on m'a fait. Donc, j'ai tendance à me braquer. Et à dire, non, peut-être que ton fils, il a des manquements, peut-être que... Donc, je parle avec l'akh, et il me dit, voilà, moi, mon fils, il se lève tous les jours à 3h du matin, et il retourne le lit. Il m'a dit, il porte le lit, et il le retourne. Il m'a dit, et c'est tous les jours à 3h du matin. Il m'a dit, il tape par terre. Et il m'a dit, il retourne les meubles de la chambre. J'ai dit, Inch'Allah, est-ce que ton fils fait la prière? Est-ce qu'il fait ses adhkar? Est-ce qu'il va à la mosquée, etc.? Il m'a dit, mais les voisins, ils n'en peuvent plus. Et lui, il continue dans son truc et moi, je continue dans mon truc. Moi, je suis là-bas et lui, il est là-bas. Et j'insiste sur, peut-être qu'il y a des manquements. Peut-être qu'il faut faire ça. Allez, le djinn, on va dire, c'est pas de notre faute. C'est lui qui nous a fait une injustice, donc c'est... Mais ça, c'est la dernière étape. Nous, on va fouiller dans notre, dans notre historique à nous. Peut-être que j'ai eu des manquements. Ou plutôt que de rejeter la faute sur les autres, on va essayer de... Il me dit, il a 3 ans.
Il me dit, il a 3 ans. Il a 3 ans. Il retourne le lit, il retourne les meubles, et tous les jours à 3 heures du matin. Et là, je me suis arrêté et je ne vous mens pas, j'étais un petit peu choqué. Alhamdoulilah, il n'était pas là, le fils. Il n'était pas là. Il a 3 ans. Moi, j'aimerais bien savoir, ces personnes-là qui disent que la possession n'existe pas, etc., etc. Comment t'expliques, toi, qu'un enfant de 3 ans arrive à retourner un lit, arrive à retourner des meubles, qui se lève toutes les nuits à 3 heures du matin, qui tape par terre et qui parle très explicitement, qui parle de... Comment t'expliques ça? Comment tu arrives à expliquer ça? Et pour avoir eu des cas en face de moi, c'est des très bons acteurs. Franchement, ils sont très bons acteurs. Si c'est faux, ils sont très bons acteurs. Mais vraiment très bons acteurs. Et ce n'est pas un cas ou deux. Des dizaines, voire des quinzaines, voire des vingtaines de cas qu'on a vus en moins d'un an. En moins d'un an. Oui, je reviens sur l'histoire du cheikh. Il essayait de convaincre une personne qui était convaincue que ça n'existe pas. Cette histoire de djinn qui possède, etc., etc., c'est pas possible. Et un jour, ce cheikh, il fait ruqya à un gars, et lui, il est là. Le djinn, il parle. L'akhor, il y croit pas. Il croit pas une seconde. Changement de voix, changement de personnalité, c'est psychologique, et c'est vrai. Tu peux faire ça. Tu peux, psychologiquement, tu peux, si tu es convaincu d'une chose, ta psychologie, ton cerveau, il peut te jouer des tours. Mais parler des langues que tu ne maîtrises pas du tout, c'est pas, ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Al-Muhim. Donc le djinn, il entend la parole de Hada. Il dit, ouais, c'est pas possible, la possession, ça n'existe pas, lui, il est en train de jouer un rôle. Le djinn, qui est dans le corps de la personne, il lui dit, si tu veux, je peux dire tout de suite ce que tu as fait hier avec ta servante. Il a dit, stop, stop. Il a dit, j'y crois. Il a dit, j'y crois. Voilà. Vous savez, c'est ce genre d'argument qu'il faut avec ces personnes-là. Parce que tu dis, Qur'an, tu dis, ouais, mais le Qur'an, le verset, il veut dire ça. Là, tu sors un hadith, tu dis, ouais, mais le verset, le hadith, peut-être, il est fait, peut-être, Bukhari, ça, voilà, on connaît le refrain. Il faut des choses comme ça. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, ça ne sert à rien. Donc, le djinn, quand il lui a dit, écoute, si tu veux, je peux te dire ce que tu as fait hier avec ta servante, il lui a dit, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il a dit, c'est bon. Comment il sait qu'il a une servante? Comment il sait que ce qu'il a fait hier, etc., et que c'était hier? Parce que lui, il a un qarin. Hada, toi et moi, on a un qarin. On a chacun notre qarin. Notre djinn qui ne nous lâche pas et qui nous insuffle le mal. Hada, il peut parler avec Hada. Et donc, il lui a dit, ce qu'il a fait la veille avec sa servante. Et donc, il lui a dit, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà le genre d'argument qu'il faut avancer. Et croyez-moi, si un jour, Allah, il vous éprouve, il vous permet, il vous donne cette opportunité, cette occasion, cette ni'ma de voir quelqu'un déclencher, vous allez voir. Vous allez voir s'il joue un rôle. Pourquoi je dis ni'ma? Parce que, wallahi, vous allez voir l'effet du Qur'an. Vous allez voir ce que fait le Qur'an. Qu'est-ce que veut dire la parole d'Allah? Et qu'est-ce que ça fait sur des shayatines et sur des... Oui, je ne vais pas en dire plus parce que, comme je l'ai dit, c'est des histoires. Pour une personne qui n'a jamais vu ça de ses propres yeux, vous pourrez me prendre pour un fou. Al-Fudayl ibn Iyad, il disait « Qala li ibn al-Mubarak, aktharukum ilman yanbaghi an yakuna aktharukum khawfan. » Al-Fudayl ibn Iyad, c'est un des adorateurs parmi les pieux prédécesseurs. Et lui, Al-Fudayl ibn Iyad, on raconte dans les livres de biographie que c'était un Qutta' al-Turuq, les bandits. Il faisait partie des bandits. Les bandits qui se mettaient au milieu des chemins et qui disaient aux gens la bourse ou la vie. Donc en général, c'était des commerçants qui passaient par là. Eux, ils les arrêtaient. Ils leur disaient, soit vous nous donnez tout ce que vous avez, soit on vous tue et on récupérera tout du coup. Donc ils disaient la bourse ou la vie. Un jour, le Fudayl ibn Iyad, il va pour cambrioler, il va pour rentrer dans une maison, pour voler. Et pendant qu'il monte, il aperçoit des gens en train de réciter du Qur'an. Et il entend un verset dans Sourate Al-Hadid. « Alam ya'ni lil ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum » N'est-il pas venu le temps pour ceux qui ont cru que leur cœur frémisse? Et Al-Fudayl ibn Iyad, il entend ce verset-là et il atteint son cœur. Il dit « Bala ya Rab » Il dit « Si, bien sûr, mon Seigneur. » Ça y est. Depuis ce jour-là, vous avez vu? Des fois, un verset, un hadith, une parole, elle peut toucher le cœur d'une personne et changer toute sa vie. Dans le Bukhari, Jubayr ibn Mut'im,
radiyallahu anhu. Il dit, il était mécréant. Il rentre à Mecca et il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de prier avec ses compagnons. Il dit, et j'entends Mohammed réciter, surat al-Tur. Il dit, jusqu'à ce qu'il arrive à la parole d'Allah, « Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun »« Am khalaqu samawati wal ard bal la yuqinun » »« Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun » Qala fa kada qalbi an yatir. Fi riwayatin, qala wa dhalika awwala ma waqara al-qalb ma waqara al-iman fi qalbi. Jubair ibn Mut'im, il était mécréant. Il rentre, il me semble que c'était à Mecca. Il rentre et il voit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en train de prier avec ses compagnons. Et il entend Muhammad sallallahu alayhi wa sallam réciter le Coran. Regardez, quelques versets et ça y est. Ça change toute sa vie. Il dit, je l'ai entendu réciter surat Tur, la surat 52. Il dit, il est arrivé au verset jusqu'à ce qu'Allah dise, est-ce qu'ils ont été créés? Donc là, il y a plusieurs options possibles. Am khuliqu min ghayri shay'in, am humul khaliqun. Est-ce qu'ils ont été créés de rien? Ou bien ils se sont créés eux-mêmes? Tu as deux options. Allah, il te donne, là, il y a deux possibilités. Pour ceux qui ne croient pas en Allah, pour ceux qui ne croient pas au Créateur. Taïb, il n'y a pas de Créateur. Ok. Du coup, il y a deux options. Am khuliqu min ghayri shay. Tu as été créé de rien. Impossible que quelqu'un de sensé, quelqu'un d'inné, quelqu'un qui a une cervelle, dise cela. Tu as été créé de rien. Rien a fait les humains, a fait les terres, a fait les cieux, a fait les animaux. Ce n'est pas possible. Deuxième option. Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Deuxième option, tu t'es créé toi-même. C'est impossible. Tu ne peux pas te créer toi-même. C'est impossible. Et puis, vas-y, tu peux te créer toi-même. Est-ce que tu peux créer quelque chose de plus immense que toi? Tu as créé les cieux et tu as créé la terre. Vas-y, tu t'es créé toi-même. Tu as créé les cieux et tu as créé la terre. Tu as créé les djinns, tu as créé les animaux. Tu as créé les océans et les mers, etc., etc., etc. C'est pas possible. Quelqu'un de sensé, il peut pas dire oui. Donc, Am khuliqu min ghayri shay, c'est pas possible. Am humul khaliqun, c'est pas possible. Il reste qu'une seule option. C'est qu'il y a un créateur. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Jubair ibn Mut'im, il entend ces versets-là. Il dit, فَكَادَ قَلْبِ أَنْ يَطِيرِ. Il dit, mon cœur a failli s'envoler, s'échapper de ma poitrine. Dans l'autre version, il dit, et c'est la première fois que la foi a pénétré mon cœur. Et Jubair ibn Mut'im, radiyallahu anhu, il fait partie des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez, parfois, un verset, un hadith, une parole, une bonne parole peut atteindre le cœur d'une personne. Ne désespérez jamais de la guider d'une personne. Ne désespérez jamais du fait que quelqu'un puisse revenir sur le droit chemin. N'oubliez pas que ceux qui priaient derrière Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup d'entre eux voulaient sa peau. Ils voulaient sa tête, ils voulaient séparer la tête de son corps. C'est devenu les meilleurs des compagnons. C'est devenu les meilleurs des gens. Amr ibn al-As, il disait, je ne pouvais pas... Comme nous, on dirait, je ne pouvais pas me le voir. Moi, je ne pouvais pas, je ne le supportais pas, le prophète. Il dit, aujourd'hui, je suis incapable de vous le décrire car je n'osais pas le regarder dans les yeux tellement je le respectais. Donc, tu ne peux pas désespérer de l'islam d'une personne ou bien de la guider de ton fils ou de ta fille ou de ta femme ou de ta mère ou de ton père, etc., etc., etc. Parce que tu ne sais pas. Abu Huraira, radiyallahu anhu, sa mère, elle insultait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il est parti voir le prophète, il lui a dit, « Ya Rasulallah, invoque pour ma mère parce qu'elle t'insulte, c'est insupportable. Invoque pour ma mère la guider. » Le prophète, il a invoqué. Il est rentré, non, le prophète, il a invoqué. Abu Huraira, il rentre et sa mère, elle lui dit, « Ne rentre pas, ne rentre pas. » Elle était en train de se laver parce qu'elle est rentrée dans l'islam. Et il l'entend dire, « Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. » Il y a deux minutes, elle a insulté Mohammed. Et voilà, elle est devenue musulmane. Parce que la guider est entre les mains d'Allah. Tu ne sais pas qui est-ce qu'Allah va guider. On ne va pas donner des noms, mais imaginez-vous les pires des personnes, les pires des noms que vous avez en tête, les pires des racistes, et bien dites-vous qu'Allah il peut les guider. Allah il peut les guider. Et ils peuvent se retrouver dans la mosquée en train de prier à côté de nous, même si c'est des têtes qu'on ne veut pas voir, même avec des barbes, on ne veut pas les voir à côté de nous. Donc, Allah il guide qui il veut. Et il peut guider une personne via une parole. On parlait de Al-Fudayl ibn Iyad. Donc Al-Fudayl ibn Iyad, il monte, il grimpe pour aller voler dans une maison et il entend le verset qui est récité de Surat Al-Hadid. Il s'arrête.
Il s'arrête. Depuis ce jour-là, Al-Fudayl ibn Iyad, c'était une des personnes qui adorait le plus Allah. C'était une des personnes les plus pieuses. Et lorsqu'on voulait parler de zuhd, etc., de gens qui délaissaient la vie d'ici-bas, on montrait Al-Fudayl ibn Iyad. Al-Fudayl ibn Iyad qui a perdu son fils Ali. Ali, les gens disaient que Ali il était meilleur que son père. Al-Fudayl, il avait un enfant, il avait un fils, il ne supportait pas d'entendre les versets qui parlaient du châtiment. Parce que c'était comme s'ils avaient été révélés pour lui. Et Al-Fudayl ibn Iyad, il était imam. Donc il se retournait avant la salade pour faire les rangs, etc. Et il voyait qu'il y avait, quand il voyait qu'il n'y avait pas Ali, son fils, il récitait les versets qui parlaient du châtiment. Normal. Et un jour, il regarde et il n'y a pas son fils Ali. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il récite sur la Takathur, la 102. Et ils entendent un gros bruit, comme quelqu'un qui est tombé. Ils finissent la prière et regardent, c'est Ali. Parce qu'il a entendu sur la Takathur. Parce que ça ne parle pas... Ni ça parle il parle Allah subhanahu wa ta'ala de la mort, et etc. Il n'a pas supporté Ali. Il s'est évanoui. Et quand il a entendu le verset dans Surat Al-An'am, des anges qui vont enlever les âmes des mécréants, Al-yawma tujzawna 'adhab al-hun bima kuntum taquluna 'ala Allah ghayra al-haqq wa kuntum 'an ayatihi tastakbirun. Il s'est évanoui. Il s'est évanoui. Ça, c'est le Fudayl ibn Iyad et son fils. Fudayl qui était un voleur, qui était un bandit, etc., etc. Et voilà comment il est devenu. Donc tu ne sais pas. Donc Al-Fudayl ibn Iyad, il dit, Ibn al-Mubarak, Abdullah ibn al-Mubarak, nous disait, ou me disait, قال l'Ibn al-Mubarak, il m'a dit, أكثركم علما ينبغي أن يكون أكثركم خوفا. Ceux parmi vous qui ont le plus de science doivent être les personnes qui doivent le plus craindre Allah. Plus tu as de la science, plus tu dois craindre Allah. Pourquoi? Parce que plus tu apprends la religion d'Allah, plus tu apprendras la religion d'Allah, plus tu te rendras compte de tes manquements. Plus tu te rendras compte de l'immensité de celui que tu adores. Vous voyez, quand on est ignorant, quand on voit des personnes ignorantes, tu te dis, oh, moi, c'est bon, alhamdoulilah, je suis quelqu'un de bien. Lui, il croit qu'il est quelqu'un de bien parce qu'il ne connaît pas l'immense droit d'Allah. Et plus tu avances dans la religion, plus tu te dis « Ah mais en fait, je fais rien. Ah mais en fait, je fais pas grand-chose. » Parce que plus tu avances et plus tu te rends compte de celui que tu adores. Plus tu te rends compte des droits de celui que tu adores. Allez, imaginez-vous. Un ange. Là, on avait parlé de « Hamalatul Arsh », ceux qui portent le trône. C'est venu dans un hadith. « Udhina li an uhaditha an malakin min hamalatil arsh ma bayna shahmati udhunihi ila » إلى عاتقه مسيرة 700 سنة هذا في سنن أبي داود هذا ملك من الملائكة تصور. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous parle d'un des anges qui porte le trône. Il nous dit que le lobe de son oreille, ما بين شحمة أذنه وعاتقه, entre le lobe de son oreille et son épaule, il y a une distance de مسيرة 700 سنة 700 ans de marche. Une distance de 700 ans de marche entre le lobe de son oreille et son épaule. Ça, c'est une créature. Ça, c'est un ange. Dans l'autre hadith, son pied est en dessous de la septième terre. Il porte le trône. Le trône qui est au-dessus des sept cieux. Entre le lobe de son oreille et son épaule, il y a une marche de 700 ans. Son pied, il est en dessous de la septième terre. Est-ce que toi, tu t'imagines une créature aussi immense? Si on t'avait dit, ben écoute, ça, c'est la taille de ton Seigneur, tu te serais dit, il est immense. Eh bien, ça, c'est une des créatures, parmi les créatures d'Allah. Ça, c'est une des créatures. Jibril, alayhi salam, peut-être qu'il est largement plus grand que lui. Peut-être que les autres porteurs du trône sont largement plus grands que lui. Peut-être qu'il y a d'autres anges qui sont largement plus grands qu'eux. Ça, ce sont des créatures. Ça, ce sont des créatures. Alors, imagine-toi le Créateur. Bien sûr, tu ne pourras jamais. Tu ne pourras jamais. Taïb, lorsque tu te mets ces textes, ce genre de textes en tête, tu te dis, mais je ne vaux rien et je ne fais rien. Ce que je fais, ce que je présente pour Allah, c'est rien du tout. Il faut que j'en fasse plus. Regardez sur Internet, vous allez sur YouTube et vous mettez la taille des planètes et des soleils, etc. etc. Et vous allez voir la taille de la Terre à côté des autres planètes.
Et vous allez voir que la planète la plus immense qu'on a, elle est ridicule à côté du Soleil. Et vous allez voir qu'il y a des astres, ou là, des soleils, ou là, des... à côté desquels le Soleil est ridicule. Et vous regardez ça, vous trouvez ça facilement sur YouTube. Et vous dites-vous, mais qu'est-ce que moi je vaux par rapport à tout ça ? Si la Terre, elle est ridicule, si le Soleil, il est ridicule par rapport à tout ça, celui qui a créé tout ça, comment ça doit être ? Bien sûr, on n'est pas en train d'essayer de s'imaginer Allah, c'est impossible. Et ce sera toujours impossible. Si Allah nous permet de rentrer au paradis, on pourra avoir le privilège de le voir. Mais c'est impossible de se l'imaginer. Mais donc, dites-vous que celui que vous adorez est plus immense que tout ça réuni. Et quand tu te rends compte de ça, tu te dis, mais en fait, je ne fais rien. En fait, ce que je fais, ce n'est pas assez. Et là, tu te rends compte, et là, ça va normalement te pousser à apprendre. Voilà pourquoi Ibn al-Mubarak disait « Aktharukum ilman yanbari an yakuna aktharukum khawfan ». Celui qui parmi vous a le plus de science doit être la personne qui craint le plus. Plus tu apprends, plus tu dois craindre. Moi, il y a un truc qui est agible aussi. C'est que ces gens-là, ils n'avaient pas un dixième des images que nous, on a. L'espace, les planètes, les soleils. Ils n'avaient pas un dixième. Ce qu'on a, les choses qu'on a découvertes dans les océans, dans les fins fonds des mers, etc., etc. Des créatures immenses. Et le fait qu'on n'ait rien découvert par rapport à ce qu'il y a dans les océans, dans les mers. Ils n'avaient pas ça. Ils n'avaient pas ces images. Et leur foi, elle était au summum. Nous, on a tout ça. Et notre foi, elle est. Illa man rahim Allah. Sauf ceux à qui Allah a fait miséricorde. Tu te dis, mais comment ils ont fait pour... C'est là où tu te dis, c'est Allah. C'est Allah qui leur a donné cette foi-là. Et ولا ندري ماذا يريد بنا ربنا سبحانه وتعالى أيوب السختياني il disait كان أبو قلابة يقول لي يا أيوب إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة ولا يكون همك أن تحدث به أيوب السختياني on a dit tout à l'heure qu'il faisait partie des professeurs de l'imam Malik. L'imam Malik était très rigoureux, il était très exigeant quant au choix de ses professeurs. Il ne prenait pas la science de n'importe qui. Et eux, ils avaient un vaste choix. Et donc, au niveau de la science, ils en avaient pas mal. Des gens calés, des gens qui avaient de la science, des gens qui mémorisaient beaucoup, etc. Ils en avaient pas mal. Donc, quant à ce choix-là, tu vas regarder d'autres caractéristiques. D'autres... Et donc, Malik, rahimahullah, il regardait d'autres éléments. Et ce qui lui a plu chez Ayyub al-Sirtiani, c'est qu'à chaque fois qu'Ayyub, rahimahullah, citait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il pleurait. Il était touché, Ayyub al-Sirtiani. L'imam Malik, rahimahullah, il dit, et cette chose-là, elle m'a attiré chez Ayyub. Ayyub, rahimahullah, quand il faisait des discours et qu'il commençait à pleurer, il disait, ma ashadda zukam. Il disait, qu'est-ce que le froid est dur cette année. Il faisait croire que c'était à cause du froid que son nez coulait, alors que c'était parce qu'il pleurait. Donc Ayyub al-Sirtiani, il dit qu'Abu Qilaba lui disait, « Ya Ayyub, ô Ayyub, idha ahdath Allahu laka ilman, lorsqu'Allah te donne une science, lorsqu'il te donne une nouvelle information, lorsque tu apprends un verset en plus, un hadith en plus, idha ahdath Allahu laka ilman, fa ahdith lahu ibadatan. Rajoute de la science. Rajoute une adoration. Toi, Allah, il t'a donné plus de science, alors fais plus d'adoration. ولا يكون همك ان تحدث به et il ne faut pas faire de ton premier souci le fait de le transmettre de la transmettre cette information là toi lorsque tu apprends dis-toi comment je peux faire pour œuvrer avec pas je vais le dire à foulane et je vais le dire à foulane et je vais le dire à foulane dis-le si tu veux et c'est bien c'est un khair et c'est un bien énorme de transmettre la science mais ton souci principal ça doit être comment je peux faire pour œuvrer avec. Soufiane al-Thawri, rahimahullah, il disait, et cette parole-là, on l'attribue à Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. قال, العلم يهتف بالعمل, فإن أجابه وإلا ارتحل. Il disait, la science appelle les œuvres. Si les œuvres ne répondent pas, alors la science, elle part. La science appelle les œuvres. Si les œuvres ne répondent pas, alors la science part. Ça, c'est une image. C'est une image. Maintenant, quelqu'un pourrait dire, mais non, moi je connais des gens, ils ont de la science, mais ils œuvrent pas.
Et leur science est toujours là. Oui, il y a un sous-entendu. La baraka de la science, la bénédiction de la science, le khir qu'il y a dans la science part. Ça devient des informations. Et c'est pour ça que vous voyez certaines personnes, subhanallah al-azim, même des fois, des personnes malheureusement qui ont appris le Coran, de le Fatiha jusqu'à Nas. Et elles ont un comportement, tu te dis, mais toi normalement, ces mots-là, toi tu ne peux pas les prononcer. Il insulte, il menace, il se bat, il vole. Et il a le Coran de le Fatiha jusqu'à Nas dans sa poitrine. Tu te dis, mais comment ça se fait? Qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, vous savez, c'est quoi? C'est que ce sont juste des informations. Lui, il n'a pas lu le Coran, il n'a pas pris le Coran comme je vous ai dit tout à l'heure, un guide, un mode d'emploi. Parce que sinon, dans plusieurs versets, il se serait dit, ah non, là, je ne peux pas, là. Ah là, il faut que je m'engage avec Allah à ne pas faire ça. Bien sûr, ça reste un humain. Ça reste un humain. Il peut s'énerver, il peut se mettre en colère, il peut glisser, il peut faire des fois des énormités. C'est un humain. Mais de là, en faire un deiden, une habitude, quelque chose qui est récurrent. Tu le vois souvent se battre, tu le vois souvent insulter, tu le vois souvent voler, tu le vois souvent... Je dis, non, il y a un problème. Moi, je connais quelqu'un qui connaît le Fatiha jusqu'à Nas. Il est parti faire une Umrah, et quand il a été faire la Umrah, il a pris des trucs de chicha et il est parti s'installer dans des dans les trucs pour fumer. Et il dit, en fait, je fais du khair et du char. Toi, t'es pas monsieur tout le monde. Toi, tu peux pas te permettre... Le musulman, il fait pas ça. Mais toi, en particulier, tu peux pas te permettre de faire ce genre de choses-là. Tu ne peux pas. Allah, il t'a donné ce privilège-là de porter le Coran. Mais malheureusement, dans les madaris, dans les écoles, on nous apprend le Coran. On nous apprend à mémoriser le Coran. On nous apprend à réciter le Coran. Le tajwid, on est assidu. Ouais, ici, c'est 4 temps. Et ici, c'est 6 temps obligatoires. Ici, là, c'est mettre 2. Mais le fait d'œuvrer avec le Coran, on ne nous l'apprend pas. On ne nous l'inculque pas. On ne nous met pas en tête que ce livre-là, il faut œuvrer avec. Il faut, وَبِلْ وَالِدَيْنِ إِحْسَانًا et être bon envers les parents, ça a un sens. Le fait de donner la zakat, la sadaqa, le hajj, la salat, on ne nous l'inculque pas. Donc, tu le trouves avec les gens. Donc, ce qui est voulu par le fait que la science parte, c'est barakatul ilm. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. Je vais détourner de mes versets ceux qui سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. Ceux qui s'enflent d'orgueil. Je vais les détourner de mes versets. Mais il y a des orgueilleux qui ont de la science. Oui, il va les détourner dans le sens où ils ne pourront pas tirer profit de leur science. Il a de la science, mais il n'en tire pas profit. Et donc, ça devient quoi ? Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Le Coran est une preuve pour toi ou pour toi. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, « Et le Coran est une preuve pour toi ou bien contre toi. » Et je vais terminer avec la parole de Ibn Abdelbar, rahimahullah, fi jami'ihi, « Lam yadhkur qailahu. »« Lam yadhkur qaila hadihi al-kalima. »« Kana yuqal, kalamul qalbi yuqri'ul qalb. » وكلام اللسان يمر على القلب صفحة. Donc Ibn Abd al-Barr, tous les athars là que j'ai cités de Ayyub al-Sikhtiani avec Abu Khilaba, celui d'Abu Darda, celui de Abdullah ibn al-Mubarak avec al-Fudayl, tous ceux-là ils sont dans un livre qui s'appelle Jami'u Bayan al-Ilmi wa Fadlih d'Ibn Abd al-Barr, rahimahullah al-Maliki. Et là, lorsqu'il a cité cette parole-là, la dernière, il n'a pas cité le qa'il. Il n'a pas dit qui est-ce qui disait cette parole. On disait du coup, kalamul qalb, la parole qui sort du cœur, va atteindre les cœurs. Et la parole qui sort de la langue, donc qui n'a pas été dite avec le cœur, tamurru ala al-qalbi safha. Elle passe et, comme ils disent chez nous, ils disent elle est rentrée par là, elle est sortie par là. Et j'ai oublié de traduire une parole tout à l'heure d'Abu Darda, radiallahu anhu, qui disait, je l'ai cité en arabe tout à l'heure. La chose qui me fait le plus peur, c'est que demain on m'appelle le jour de la résurrection, qu'on m'appelle et qu'on me dise qad alimt, tu savais. Famada amilta fima alimt, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as, avec quoi tu as œuvré parmi les informations, parmi la science que tu as, qu'on t'a donné plutôt.
هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وبارك الله فيكم